Donc ça, c'est la version française de Cauchemar en cuisine. Ah non, c'est encore mieux, c'est la version américaine, ça va, je préfère. La version anglaise, parce que le mec est anglais. Là. Super, il est fait aller dehors pour les faire re-rentrer. Déjà, ça commence bien. Voilà, j'ai refait la peinture, la cuisine sera meilleure. Oh, c'est génial, ça sent bon, c'est déjà meilleur là. J'ai refait le faux plafond, la nourriture sera de meilleure qualité. Putain, c'est super, on peut tourner un gonzo dedans. Ah ouais, avant c'était affreux, horrible. Ça tenait, il y avait du crépi partout. Oh putain, là c'est génial. Putain, là le hamburger aux hormones, il va être super bon maintenant. Putain, j'en chiale, putain, arrête. Je suis trop ému. Ouais, c'est surtout que ça fait des frais qui seront en moins dans la caisse, quoi. Ça fait des frais en moins. Super, couleur merde. C'est super beau. Waouh, marron caca. Putain. Ça, quand les gens qui auront bouffé leur hamburger avarié, ils auront à la courante, on verra pas la différence avec la couleur du siège. Waouh. Putain. On passe du carré aux courbes, génial. Ouais. J'aime beaucoup les oiseaux. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Bah, tu seras pas plus payé, hein. Ça, tu peux chialer, faire le lèche-cul. Même quand on a baissé la TVA, les restaurateurs ils n'ont pas augmenté les salaires, donc ça sert à en rajouter. Hein. Je ne pleure pas souvent. Je me rappelle plus quand ça m'est arrivé la dernière fois. Mais là, j'ai craqué. C'est clair, j'ai craqué du slip. Ouais, merci, merci Jésus. Ouais, je suis fou de joie. Putain. Je suis heureuse pour vous deux. C'est incroyable. Là, le bilan comptable, il reprend des couleurs. C'est le plus beau des cadeaux. Ouais. Je ne l'avais jamais vu si heureux. Et putain, quand elle a mis au monde ses enfants, il n'était pas aussi heureux. Ça fait plaisir, quoi. Ok, ben je vais pisser dessus. Une fois le changement de décor achevé, je vais mettre mes odeurs dessus. Ouais, et des gens qui sont pas castés, qui sont pas au courant, voilà. Putain, c'est sûr que s'ils mettent la pute à poil, ils vont aimer le jambon. Ah ouais, ça va être bien pour le repas. Quand on va manger de la poularde. Ah ouais, elles ont un beau cul. Ouais, surtout qu'aucune américaine ne ressemble à ça. Les américaines, elles sont pas taillées comme ça, mais c'est pas grave. Allô, je voudrais une poule au pot. Putain, c'est le maillot bain qui m'a donné envie. Quel est le rapport à... N'importe quoi. Ah ah ah. Putain, il est bien habillé, lui. Il y a que les t-shirts XXL, c'est plus la mode. Maintenant, ils ont inventé les chemises... C'est les chemises de Jean-Pierre Coff, quoi. Jean-Pierre Coff, prêt à porter. Tu es super, putain. Un rien t'habille, chérie. Une chemise qui est... En vrai, une chemise, ça sent dans le pantalon, là. Je sais pas où elle va arriver. Je me sens bien, putain. Je me sens bien... J'ai pas compris ce qu'ils avaient applaudi, mais bon. Ils sont partis pour leur montrer l'appart et là ils reviennent, ils re-applaudissent.